Ah. Oh, un nouveau puzzle. Il y a des pilules domino. Alors, je peux faire tourner un truc et j'ai plein de portails. Alors, clairement, je te vois. Ah, t'es là-haut ? Attends, t'es où ? Toi, t'es au niveau des dominos. Et si tu lèves, il y a un endroit, tu vois un cheval. Non, je suis le cheval. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Ah, oui. On peut tourner un truc, ça fait quoi si je tourne ? Ah, toi aussi, tu peux tourner un truc. Ouais, je peux tourner, ouais. Oui, bah tourne. Il faut que ton accordéon soit vers ton autre accordéon. Tourne encore un coup. Voilà. Et là, t'as un portail en direction de l'accordéon qui te permet d'aller à l'accordéon. Ah, ok. Ok. Alors là, j'ai un truc à tourner et j'ai un levier. Alors, j'ai commencé par lui, à mon avis. Qu'est-ce que ça ah, fait, ça ? Ça fait apparaître... Multitude. Donc là il va falloir que tu tournes pour aligner les symboles. Donc t'as une chaussure verte, ben voilà, ça c'est bon. Youhou. Ah c'est fermé. Attends c'est fermé. Est-ce que moi il y a un symbole Alors guitare, oui toi il y a une... Il y a une lyre. Ouais voilà la lyre, c'est ça qu'il me faut. Peut-être, toi t'as l'autre symbole, tu l'as aussi. Bah ouais mais la lyre, attends je dois te la mettre vers quoi? Attends, mais ouais, non, tu veux pas y aller. Attends, j'ai de la merde. Ah, mais faut que j'active le... Faut que j'active ça aussi. Ouais, d'accord, je peux pas. Voilà. Vas-y, ah. fais tourner un coup dans le sens des aiguilles d'une montre. Oh là là, oh, c'est le bordel d'un coup, là. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouais. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouais, t'es pas mal. Oui, mais vu qu'il pousse dans le sens inverse. Vas-y. Comme ça ? Vas-y, essaye, on va voir. Raté. Encore un coup ? Ouais. Voilà. Ah, mais si tu prends le portail, ça va peut-être pas marcher ici. Vas-y, essaye. Lequel ? Celui qui est là devant toi, ouais. Que je veux ah non ça marche pas. Parce que de là tu peux aller que. Et pourquoi ça n'a pas marché, c'est pas les mêmes symboles? Bah parce que non c'est pas les mêmes symboles face à face. Ouais, ok. Attends et toi là? Ah, t'avais la botte. Moi je suis à la botte. Ouais mais c'est fermé de l'autre côté. De l'autre côté il n'y a pas de symbole par contre. Donc comment tu peux faire? Tu peux pas. Il n'y a pas la trompette là ? La trompette bleue, il n'y a pas de mon côté ? Non, elle est avec la lyre, mais dans la salle de la lyre, donc tu peux pas y aller. Par contre, là, tu as le milieu là, avec les cristaux, on peut rien y faire. Bah non plus, elle est creuse. Alors, la guitare, mais là, elle n'y a pas. Attends, parce que si on veut que tu ailles à la lyre, il faudrait que tu aies. Le chapeau de fou, non. Attends, toi, t'es toujours isolé là ou t'es... Ouais, non, t'es là. Ah, mais il te manque des trucs, toi, pour bouger. On est d'accord que pour le portail fonctionne, il faut que les deux symboles soient alignés. Ouais, c'est ce qu'on a compris, en tout cas. Alors, sinon, tu reviens là. Ah, mais ici, après, t'as plus d'autres symboles. Tu peux aller au domino. Ouais, mais domino, du coup, ça ne sert à rien. On s'en fout. Non, mais je dois être bigleux. Ah oui, je vois pas non plus, en fait. Là, t'as la botte. Les cartes, elles y sont, sur ton truc. Mais de toute façon, ouais, c'est pas aligné, quoi. Parce que si je vais là, je sors où ? Il faudrait déjà y aller à lire pour... Non, mais les cartes, elles sont fermées, en plus. C'est pareil, tous tes trucs, toi, les vers toi, ils sont fermés. Si tu tournes ça. Il y a des symboles au milieu, là. J'ai quoi comme symbole, moi, dans mon truc à moi? Dans la pièce où t'es? Ouais. Eh ben, t'as.
Ah bah oui, mais on est con parce que toi, t'as deux symboles. T'en as un, c'est l'accordéon, donc c'est la pièce dans laquelle t'es. Et t'en as une autre, c'est la lyre. Ouais. Et par contre, si la tu lyre. Prends le portail, en direction de la lyre, puisqu'on l'a aligné vers la lyre, voilà. Voilà, prends-le. C'est dans la tristeur, déjà. Et tu ressors par là. Comment ça se fait que tu ressors? Il y a une lyre ici. Mais vas-y, prends-le. Ah ouais, ouais. Tout est sortir par là. Et si tu prends le portail... Alors, attends, t'es où? Ouais, voilà, voilà, devant toi. Non, là, à ta gauche. Non, pas celui-là. Celui à ta gauche, voilà, celui-là. Ah, c'est le même. Fais tourner... Fais tourner ta pièce deux coups dans le sens anti-horaire. On va réessayer comme ça. Non, je veux juste voir un truc. Parce que du coup, si je vais là, j'entends le début. Non. Non, quoi? C'est dans la même pièce. Ah oui, non, c'est vrai, on a tourné. Alors, vas-y, tu m'as dit quoi? Tourne deux fois dans le sens... Non, une fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pardon. Voilà, là tu pousses. Huit. Voilà. Et maintenant, okay. Tu prends le portail qui est à ta gauche. Ma gauche, du coup, c'est derrière toi. Gauche. Ma gauche derrière. Là, c'est à ta droite. Voilà, tout droit. Là ? Ouais. Prends celui-là. T'es où ? Sur l'accordéon. Bah. Ouais. Alors, je comprends pas. Est-ce que j'ai aligné deux accordéons entre eux ? Reprends-le, le portail. Tu sors par où ? C'est bizarre. En plus, ça fait un petit effet lumineux. Attends, du coup, là, il y a l'accordéon et l'accordéon ensemble, là. Ouais. Donc ça, je peux pas le reprendre, parce que c'est le change d'effet pour venir, normalement. Bah ouais, mais... T'as tes lumières violettes qui deviennent encore plus violettes, qui s'éteignent, et voilà. Là, il y a un quoi? Il y a fou, carte. Ah, mais non, mais je sais même pas aligner. Comment c'est possible du coup? C'est quoi cette sorcellerie? Ça c'est moi qui pousse un truc. Mais je vois pas ce que j'ai. En fait moi j'ai qu'une pièce. Attends, c'est ça qu'elle peut... T'es où? T'es plus sur les chevaux toi? Ah non mais moi je suis pas sur les chevaux, je suis sur la botte là. Attends mais depuis quand t'es sur la botte? Bah depuis tout à l'heure. Mais t'es passé quand sur la botte? Bah je sais pas. Et comment t'as fait pour aller sur la botte? Bah j'ai pris un portail, mais alors je saurais plus te dire lequel, mais je l'ai pris il y a au moins 5 minutes. Ça change tout du coup. Ah. Attends, bah ça change tout alors, mais comment t'as fait? J'ai pas compris. Je sais pas, j'y suis tout à l'heure. Alors sur ton truc, tu as la lyre, tu as la trompette bleue, et t'as les trois diamants là. Les diamants, les cristaux. Ok. Lire, trompette bleue et trois cristaux. Ah oui, mais... Trois cristaux, c'est dans la salle d'à côté hier, mais par contre la porte est fermée encore. Eh ben, faut que je mette les trois cristaux avec les trois autres cristaux. Faut que je les aligne les uns. Enfin. Tourne sens horaire deux fois. Ouais, encore une. Mais comment t'as fait pour sauter d'une à l'autre là? Là, tout, j'ai pas compris. Hein. Et là, je vais... Les deux, hein. Je vais par où? Non, l'autre derrière. Non, à droite. Voilà. Ah, je suis sur les cristaux. Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça que tu t'étais pété tout à l'heure avec la botte. D'accord, donc là j'ai compris. Donc tout à l'heure, les deux bottes étaient alignées. Ouais. Sauf que la sortie de la botte était fermée. Et donc ça t'a amené dans la salle de la botte. Ok. Donc en fait, on ne va pas dans la pièce adjacente. On va là où il y a le portail quand les deux sont alignés. Voilà. Ok. Donc toi, là, dans ta place, dans la pièce, tu as les cartes et la lyre. Enfin, la guitare, du coup, plutôt. Ok. Oui, si, c'est une lyre. Moi, sur la mienne, il n'y avait pas la guitare aussi. Toi, tu as l'accordéon et la guitare. Oui, voilà, faut qu'on aligne nos deux guitares. Donc toi, fais un coup horaire. Voilà. Et toi, ta porte, elle est fermée, du coup? Oui. En face de toi, là. Ouais. Toi, il faut que tu fasses deux coups horaires.
de coût horaire. Et donc du coup moi je vais rentrer dedans justement. Encore. Et ça va m'amener par les guitares. Non mais d'accord, mais j'avais pas compris que ça avait marché tout à l'heure donc. Et donc là normalement, oui voilà, donc je suis bien arrivé ici. Donc maintenant, t'es où toi maintenant? Moi je suis toujours au même endroit. Oui, comme moi j'ai bougé. Ah oui, toi t'as bougé. Voilà. Donc toi dans ta salle t'as trois cartes, la trompette et le fou. Alors, du trois coup... cartes tu les as aussi. Ok, alors toi tes trois cartes, ton portail, il est ta porte, c'est la porte qui est fermée. Les trois cartes elle est ouverte, donc toi tu pourras rentrer dedans. Ok. Tu m'as dit qu'il y avait le fou aussi là. Ouais, il y a le fou. Il est où moi le fou de mon côté? Le fou c'est celui qui est vers ma salle. Et qu'il est fermé, donc ce sera dans l'autre sens. Donc ça veut dire qu'il faut faire les trois cartes. Ok, donc tes trois cartes, faut que tu fasses deux coups anti-horaires. Ok. Et donc toi, il faut que tu fasses deux coups horaires. Ouais, encore un. Donc là, c'est à toi d'y aller. Hop là. Ah, je vais pouvoir activer ça. Oui, on a une nouvelle pièce. Voilà, le fer à cheval, le porte. Oh là 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 là. Oh, il y a trop là. Oh, je suis perdu. Alors, je pense que la sortie, c'est la lyre. Qui est violette là. Je sais pas si tu la vois. C'est qui tout en haut, ouais. C'est une porte violette. Et tu l'as sur ta position, tu l'as. Donc il y a une des entrées qui est là. Et sur... C'est quoi qu'il y a en face, là? Oh, c'est la petite harpe, là. Ouais. Elle est... elle a aussi le symbole de la porte violette. Donc il faut aligner ces deux portes-là. Et on pourra aller à la fin. Je remarque que par exemple la salle de l'épée, il y a aucune case dedans. Il y a rien du tout, ouais. Je vois que la harpe jaune, elle y est dans plusieurs. Non. Si c'est ça, elle y est dans trois salles. Oh là là, putain, ça va commencer à être le bordel. Hein. Attends, là il faudrait. Il faut aller dans celui de la A. Comment ça s'appelle cet instrument? J'ai oublié le nom. La mandoline? Non, la mandoline, c'est ça. Attends, toi t'es dans quelle pièce? T'es là, toi t'es dans la mandoline. Toi t'es dans la guitare. Ah la lutte. En lutte. Ah oui la lutte. Oui c'est ça. Oui c'est ça. Merci bien. Du coup, là tu peux pas. Là tu peux pas. Donc toi t'as le fou. Le fou. Moi, tu m'avais dit que j'avais quoi déjà dans toi, la game, là? T'as là où t'as le fou, la trompette bleue et les trois cartes. Donc, ça veut dire que je peux aller chez le fou alors. Non, parce que le fou, la porte elle est fermée. Oui, mais toi elle est ouverte. Enfin, en face de toi c'est ouvert. Là, ouais. Bah voilà. Bah, faut que tu tournes un tour dans le sens anti-horaire. Je t'emmène chez le fou alors. C'est quoi? Youpi! Voilà. Là, t'es chez les fous. Ouais. Oula. Oh, j'ai une cinématique. Oula. Ils vont enlever des trucs, lui. Il est gros, lui. Ah. Oh, mais elle servait à rien, celle-là, c'est bon. Il y a juste le coup de notre gueule, en fait, tout. You're too stupid to escape my spell.
D'accord. Ouais, bah merci. Bon, du coup, il a remis un trou, c'est normal, ça ne servait à rien. Alors du coup. Donc là, tu as le. Du coup, le lutte jaune dans ta pièce, et il est à côté aussi. Okay. Est-ce que c'est fermé ton lutte? Oui, il est fermé. Merde. C'est ça qui était derrière toi, le lutte. Ah oui, je vois. Non, mais mon lutte, il est ouvert. Ah oui, là, c'est ouvert, oui, mais le lutte est d'autre. Ta porte à toi du lutte, elle est fermée. Ok. Alors, toi. Toi, je peux t'envoyer dans la salle avec les trois cartes, mais je suis pas sûr que ce soit très utile. Du coup, ouais, non, faut qu'on en vient. Ça pourra peut-être être utile à la fin. Non, mais toi, je peux t'envoyer que dans le lutte bleu. Le lutte bleu. J'ai un lutte bleu sur ma. Oui, une trompette. Une trompette bleue, ouais. Oui. Bah, faut que je t'envoie c'est dedans. Déjà en... Ah, d'accord. C'est. Faut que je fasse quand même. Comment pour te mettre la trompette bleue C'est deux en. En. Horaire, je crois. Non, ça me perturbe. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, théoriquement, tu viens dans le portail qui est devant moi, en fait, et tu vas atterrir dans celle de le truc bleu. Ouais, c'est bon. Tout à fait. Là, tu fais deux fois dans le sens horaire. Deux fois dans le sens horaire. Ouais. Ah. Et là, tu vas dans le portail qui est derrière. Voilà, celui devant toi. Là. Ouais. Ok. What? Ah oui, d'accord, t'es arrivé là. Oui. Là, je suis perdu. T'es où, toi? Tu. Oh, c'est dur de te voir de loin. Ouais, je suis. Attends, je saute là. Ah oui, là, il y a tout, là. Ça, c'est les fous, toujours. Je peux t'envoyer dans la salle de la guitare rouge si tu fais deux fois dans le sens horaire. Anti-horaire. Voilà. La guitare rouge. Ouais. Mais pourquoi? Attends, on n'est jamais été là-bas? Non mais attends, je suis con, la guitare rouge, t'y es déjà allé en fait, si. T'y es totalement déjà allé. Ouais, c'est ça, c'est où j'étais. Il y a la trompette bleue. La trompette bleue, j'y suis passé, et après j'étais jaune, ouais, c'est ça. Putain, t'es où déjà? Je fais le. Ah, ou alors toi, tout ce qu'il y a d'intéressant dans ta pièce, c'est le portail violet? Le portail violet, ça peut être pas mal. Ouais. C'est vrai qu'on avait dit que c'était ça qu'il fallait. Ouais. Il faut que tu fasses deux fois. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Fais tourner deux fois, bah t'es obligé. Fais tourner une, deux, même trois fois dans le sens anti-horaire. D'accord. Trois fois dans le sens anti-horaire, ça faisait pas deux fois en sens horaire? Si. Et c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, parce que effectivement, c'est ta seule façon de t'en sortir. Fais encore un coup. Voilà. Là, si tu prends un portail, n'importe lequel, t'arrives où? Prends ça, n'importe lequel. Prends n'importe quel portail. Bah lui, là, il y a la guitare. Tu prends lui, là? Ouais. Ça va rien faire, si. Putain. Le seul que je vois là qui permet de m'échapper actuellement, ouais. C'est lui. Tous les autres, j'ai rien aligné avec moi. Effectivement, je suis coincé. Ouais, t'es coincé. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut d'abord aller bouger les trois cartes. T'as pas un moyen de m'envoyer dans la pièce des trois cartes? Si, tout à fait. Bah, tu prends la porte en haut. Attends, en haut. À l'opposé de moi, par rapport à moi. Parce que je veux dire, derrière toi. Ouais. Voilà. Là, je vais dans les trois cartes. Ouais, normalement. Top. Et du coup. Là, tu peux aligner la porte violette, du coup, alors. Oui. Donc, c'est deux en sens. Ouais, par là. Trois. Ouais, c'est ça. Nickel. Et donc là, moi j'ai un portail, je peux y aller. Oui! Donc toi, tu y es. Eh bah, vas-y, prends-le aussi, toi, ton portail. Ça, c'est le même? Ah, oui.
Bah oui. Ah. Là, on peut tourner deux trucs en même temps. Et ben. C'était rigolo. Ah, bien, bien foutu aussi celui-là, hein. Franchement. Je vais là-dedans. Écran de chargement. Comment ils ont fait ça, eux? Oh. Ok. Oh non, ça continue. Oh putain. Attends, mais c'est pas avec moi en plus. Ah non, je croyais que c'était une cinématique, mais pas du tout. Alors là, moi je suis là, je suis là où il y a la reine. Oui, je te vois, tu vas reposer de moi, mon chaud soleil. Ah oui. Oh. Bon, il y en a moins, ça devrait être plus simple. Donc toi, tu as une pièce, c'est quoi? C'est un fou? Ou c'est un roi? Non, c'est un roi. Ouais, alors toi, t'as un caillou. Ah non, mais il y a des cailloux partout. Oh, c'est un œuf. Ah oui, c'est un œuf. Ah, mais on les voit nos symboles en fait. Ah oui. Par contre, ah si, donc je peux aller. Je peux faire quoi? C'est bien, je peux aller à quelque part, mais on peut faire quoi? Il faut aller où? Ah là, il y a un symbole de porte. Il y a porte violette, il y en a deux là. Et toi, tu dois pas aller. Moi, je vois une porte violette là. De ton côté, adjacent à ta salle, il y a deux portes violettes. Ah oui, et eh ben il faut chacun lui tourner un coup. Donc il faut y en a un qui doit aller dans la clé, l'autre dans l'œuf, et on fait tourner les portes. Ouais, toi techniquement tu dois pouvoir aller dans l'œuf si tu fais tourner ta salle deux fois sur elle-même. Oui, je vais là et ça me permet d'aller dans l'œuf. Et moi si je dois aller dans la clé. Par contre, pas ouf. L'autre porte qui a le symbole de la porte violette, le portail est fermé. Ah. Donc ça, c'est, par contre, ça peut être une indication qui est à prendre en compte. Donc ça veut dire qu'il faut aller dans la salle de la clé, faire tourner la pièce. Et après partir. Puis partir, aller dans la salle de l'œuf, et du coup on part tous les deux. Logiquement. Ouais. Donc la salle de la clé, toi t'as quoi? T'avais la pièce. Donc toi il faudrait te débloquer toi déjà peut-être. Bah moi là c'est vrai qu'à part la pièce de truc j'ai rien. Là y a pas la pièce, là y a quoi? La pièce dans la salle de l'œuf, elle y est. Donc il faudrait que j'aille dans l'œuf. Voilà. Ça c'est la première chose. Donc, tu là-dessus, et ben pour aller dans l'œuf tu fais tourner ta pièce deux fois de suite, enfin ta salle deux fois de suite. Encore un coup, hop. C'est vrai qu'il y a de la puce qu'on voit sur les symboles. Ouais, du coup t'arrives là, ok. Donc là il y a ta pièce. Là donc tu là, fais tourner une fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, du coup moi... Toi tu l'as fait tourner aussi une fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant tu vas pouvoir aller dans la salle du roi. Ah mais attends Je suis... La couille. Le couille, roi, c'est complètement ailleurs, hein. Oh non. Ça m'a envoyé dans une autre. Dans une autre boîte. Ah d'accord, c'est ça le problème. Je suis le problème, c'est juste qu'on pourra pas revenir en arrière, mais non. Sachant que là, en plus, le truc est cassé. Comment je reviens? Je peux pas revenir. Non. Attends, mais comment je fais? Je me suis bloqué aussi en fait. Je peux pas sortir de ma salle. Tu peux pas sortir de ta salle? Non. Et moi non plus. Attends, si j'essaye là. Non, si j'essaye là. Non. Et. Non, moi je... Putain. En fait, moi, ce qu'il y a, c'est que je suis dans une pièce que je peux pas faire tourner parce que le manche est cassé. Et je peux pas le ramasser, je peux rien faire. Comment on fait là-haut? Alors, attends, si je fais tourner... Ouais, mais je peux rien faire tourner parce que ça... Ils ont creusé la tête hein, pour faire un casse-tête comme ça. Ouais, complètement. Dans les premiers, ils passaient très bien, donc là alors, encore si je prends sous, j'ai rien. Si je prends juste à droite,
J'ai rien. Si je prends celui d'en face, j'ai rien. Si je prends celui à sa gauche, j'ai rien. Ouais, bon, je peux clairement pas revenir, je suis bloqué dans ma pièce. Et toi, tu peux pas, en faisant tourner ta la pièce dans laquelle t'es, tu peux non. pas en joindre une autre? Non, j'ai rien de... Dans toutes les trucs adjacents à moi, j'ai pas ce qu'il faut. Je peux pas bouger. Faut recommencer? Je me donnerai quand même. Ce sera la première fois dans un de ces jeux-là qu'on doit faire ça. Si vraiment il y avait possibilité de se bloquer, ils auraient mis un truc pour une caisse. Ouais. On peut avoir des indices. Tout n'est pas à l'air. Gardez un œil sur les changements apportés à chaque élément disponible. D'accord, ça veut rien dire. Ah mais ici on peut rien faire tourner parce que cette pièce là... Ah non, c'est... on peut faire péter la... Ah non mais attends. Il y a un truc qu'on n'a pas essayé. Est-ce que moi ma salle elle serait pas de l'autre côté de la tienne? Et si moi je fais tourner la mienne, ça peut bouger la Vas-y, tienne. Vas-y, essaye. Non, j'ai essayé. On n'a pas pensé à ça. Alors, ça fait bien tourner quelque chose, mais pas dans ma pièce. Mais fais encore tourner dans le même sens. Oui, mais oui, on n'y a pas pensé, mais c'est vrai que c'est tout con. Ok, tu viens de me débloquer. Hop là. Ah oui, voilà. Du coup, maintenant que je suis là, lune. Pff, quel merdier. Je peux rien faire tourner ici. Si je peux faire tourner, et je peux aller mettre le soleil. Si tu fais tourner. Vas-y, je fais tourner un truc là. Là, ouais, juste ça fait bouger. Je peux sortir maintenant. Ah. Avec ce que t'as fait, je peux sortir. Du coup, je vais bouger la mienne. Et c'est pour ça qu'on voyait nos propres cases, du coup. Là, je peux sortir. J'y vais, y'a pas de soucis. Ouais, vas-y. Je sais pas où ça va m'amener. Ça va me changer de salle aussi, en fait. Ce symbole-là, il est pas de ce côté. Ok, bah vas-y, on va se retrouver. Toi aussi, c'est tout bleu. Ah oui, t'es là. Là. Ah oui. Alors, maintenant qu'on est là, si je fais ça, je peux t'emmener dans la lune. Ouais. Et moi, je peux rien faire tourner, donc j'ai l'impression que c'est l'idée. Hein. Donc, va dans la lune. Et encore un coup, là, et je peux t'emmener dans le soleil. Alors, moi, je peux bouger aussi. Hein, là. Et voilà. Donc, c'est. Non. Si. Non, c'est l'envers. Non, c'était ça, putain. Oh, fais chier. Donc là, soleil. Et là, tu vas retourner là-bas. Ouais. Bon, bah, je retourne dans l'autre monde. Pam 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 pam. Donc là j'ai quoi? J'ai l'œuf. L'œuf. Ça veut dire que je peux retourner dans l'œuf maintenant. Fais-le tourner un coup l'œuf pour voir ce que ça donne. Je suis revenu dans ma salle de départ en fait. Fais-la tourner ta salle de départ. Ouais. Que pour voir si ça fait tourner. Alors ça fait tourner ici. Ouais bah ça m'arrange pas. Ça t'arrange pas. Par contre, il y a un truc qui a changé. C'est que maintenant... Attends. Il faudrait retourner dans la salle de la clé pour faire tourner la pièce. Salle de la clé... Toi, tu vois une clé de ton côté. Ah, moi, j'en vois trois des clés de mon côté. D'accord. Et elles sont dans quelle salle? Elles sont dans la salle du... Il y a un sceptre. Et deux sur la salle du portail. Oh, comment ça? Bah là, il y a une salle avec un portail dedans. Et autour de cette salle, les quatre symboles, il y en a un avec rien, un avec le portail et un avec deux clés. Enfin, deux avec une clé, pardon. Oh putain, d'accord, ok. Ouais, c'est
c'est pas si facile. Donc il faut qu'on aille dans ces salles-là. Et en allant dans ces salles-là, on pourra aller dans la salle de la clé qui nous ouvrira le chemin pour sortir. Si je fais tourner un truc là, est-ce que ça peut t'arranger? Vas-y. C'est quoi? Dans l'immédiat, non. Alors, je vais encore lui faire tourner un coup. Je fais tourner un coup, ça l'aligne avec le sceptre. Donc là, maintenant, je pourrais aller dans la salle du sceptre s'il faut. Alors, oui, bah tu vas aller dans la salle du sceptre, totalement, parce que ça va me permettre de t'envoyer dans la salle de la clé. Eh bah, allez, je vais dans la salle du sceptre, c'est là. Ah putain, non, faut tourner, le manche est cassé. Oui, je le vois bien, il est cassé. Oui. Putain. Donc là, on a fait le tour. Donc ça veut dire qu'il faut... Putain, mais comment on fait? Il est cassé. C'est possible s'il est cassé. Là, je peux t'expédier dans la salle de la lune et on recommence du coup. Ah, attends. Là aussi, il y a deux portes violettes. Donc c'est-à-dire que c'est de l'autre côté, c'est un bait. Ah, on peut pas aller d'accord. Dans la salle de la clé. Oui. Et donc c'est celle-là qu'il faut aligner. Donc il faut aller dans la salle du crâne du corbeau. Et dans la salle... Attends. Non, mais même pas. On peut pas aller dans la salle de... Bah non, ça marche pas non plus. De là, je t'envoie dans la salle de la lune. Bah, sors de là, va dans la salle de la lune, hein, de toute façon, comme tu peux rien faire. Oui. Voilà, dans la salle de la lune, fais pour que... Aller dans la salle du soleil. Ouais, mais du coup, je retourne, j'ai encore fait une boucle, hein. Ouais. Je m'en fais jamais, si, c'est ça, hein. Ouais. Par contre, à un moment, je pouvais aller dans la... Attends. Mais si on peut aller péter le truc qu'on avait dit. Par contre, si on la fait tourner de l'autre côté, on peut la faire tourner, la clé. Il faut qu'on aille dans l'autre monde. Oui, ah, il faut aller dans l'autre monde pour la faire tourner, oui. Pour, voilà, pour savoir quelle salle fait tourner le... Alors, c'était quelle? Le sceptre. Et puis c'est la salle du sceptre, je vais y retourner. Bon, bah, je retourne de l'autre côté. Ouais. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on trouve, c'est quelle salle fait tourner le sceptre. Logiquement. C'est Par ça. Contre, il va peut-être bien y avoir un bait avec l'histoire des portes violettes. Ou alors, il faut qu'on le fasse pour tous les deux. Ce sera encore autre chose. Donc, si je tourne le soleil... C'est ce que je vais faire. Ouais. Ça fait tourner quoi? Ça fait la lune. Il tient pour le coup. Ouais. Au moins il y a un vrai lien entre les deux, c'est net. Donc là maintenant je peux aller dans la salle de l'œuf. Donc va dans la salle de l'œuf. La salle de l'œuf, ça va être quoi? Ça va être le corbeau. Vas-y, fais tourner la salle de l'œuf. Ouais, c'est celle-là, j'avais pas trop de raison d'y toucher en fait tout à l'heure, c'est pour ça qu'on... Ok, je la fais tourner. Ouais, c'est le crâne de corbeau. Et il y a des choses intéressantes avec le crâne de corbeau. Oui, clairement, fais-le tourner... Attends. Ouais, fais-le tourner encore deux fois. Je sais plus quel sens c'était, je crois que c'était ça. Bah c'est pareil, ouais, voilà, encore une fois. C'est vrai que c'est pareil. Oui. Voilà. Moi, je vais pouvoir sortir dans la salle de la boule ou de la couronne. Tac. Alors là, moi, je suis dans la salle du masque. Tu sais, j'étais là où il y avait un masque. Je vais la faire tourner. Dis-moi ce que ça te fait tourner de ton côté. En fait, le masque, hein. Ouais, c'est ça. Encore une fois. Enfin... Ouais. Oui, je vais encore le faire tourner une fois parce que je vais sortir de là. Encore une fois, et là, moi, je pourrais sortir aussi. Par contre, si je veux sortir, faut que je bouge l'œuf. Donc, t'as peut-être quelque chose à faire avant. Alors, l'œuf, on a dit que ça faisait tourner le crâne de corbeau.
Attends, si je vais là, je suis où? Ah, je suis revenu dans la salle de la boule. Ok. Donc je suis revenu dans cette réalité là. Attends, t'es où? Ah, t'es dans la boule. Ah oui, ouais. T'es là-haut. Okay. C'est-à-dire que toi, t'as l'entrée pour aller au crâne. Et si tu tournes vers la clé là. Ouais, et bah, je vais le faire tout de suite. Sans sentir rien. Voilà. Donc là, tu peux aller chez le crâne. Ah, ouais, c'est bon. Je tiens un coup. Alors, on va retourner dans le crâne. Hop là. Et du coup, le crâne de... Bah, si je le fais tourner, je fais tourner l'œuf. Logiquement, oui. Il y a un intérêt à faire tourner l'œuf? Il y en aurait un pour l'aligner à la clé, mais là, dans l'immédiat, non. Il n'y en a pas vraiment. Surtout, je peux le faire, en fait. C'est ça, en fait. Ouais. Que je suis dedans. Puis, à la limite, je pourrais, moi, me barrer de la salle. Peut-être. Attends, par contre toi tu pourrais me faire, tu pourrais m'aligner avec le, bah non en fait le portail il est pas aligné là. Tu aller dans le sceptre. Ah oui, ça c'est un bait, d'accord, j'ai compris le bait. Ça veut dire qu'il faut que là-bas ce soit un portail, bah oui mais non. Attends, toi de ton côté t'as un soleil, un œuf, une couronne, un masque. Attends. De mon côté, j'ai le soleil, effectivement. J'ai l'œuf, le masque, j'ai la reine. Ouais. J'ai la clé. Et j'ai la boule simple. Tu peux pas aller dans la salle de la clé? Dans la salle de la clé, non, je peux pas. Putain. C'est de ton côté, dans l'entrée pour la salle de la clé. Ouais. Parce que. Faudrait arriver à faire tourner sur elle-même la salle du portail, si c'est faisable. Je suis pas sûr. Je sais pas avec quoi elle est alignée, en fait. On n'a jamais été dans la salle de la clé, on n'y a jamais été. Ouais, c'est vrai. Toi, t'as quoi comme symbole? Dans la pièce où je suis, j'ai le portail, le masque, la boule, et c'est tout. Comment ça, il y a quel symbole? Il y a un panneau, il n'y a pas de symbole dessus. D'accord. Du coup. Alors attends. Là, la boule, c'est bloqué. Donc je suis mort. Là, le masque, c'est bloqué. Donc c'est soit le portail. Donc le portail là. Soit le soleil, mais j'ai pas de soleil. Donc je peux sortir que par ce portail là. Attends, si je vais dedans. Ah oui, non, ça sert à rien. T'es dans la salle de quoi là, tu m'as dit? Dans l'œuf. Et t'arrives à aller dans une autre salle? Je peux aller. Oui, je peux aller dans le sceptre. Le sceptre, c'est la boule, hein? Ouais. Le sceptre, c'est de ton côté. Ouais. Ah, enfin, c'est le. Ok. C'est le jumeau de fou. Là. Ouais, et tu peux aller que là. Je peux aller que là. Bah, va dans le sceptre. Donc je vais faire bouger la salle, mais t'es ouais. Dans la salle du corbeau, j'ai pas encore toi. Ouais. Ok, donc je veux dire que je vais sortir, tu vas la bouger derrière moi là. Ok, là je sors. Donc là je suis de ton côté aussi. Voilà. Et là tu peux aller dans la salle de la clé. Ouais, je peux aller dans la clé, effectivement. Alors, donc je suis dans la clé, ça veut dire que je peux l'aligner avec l'œuf. Et déjà, fais-la bouger la clé pour voir ce que ça fait bouger de ton côté. Moi, je vais le faire. Je vais l'aligner avec. Ah, super! La clé, elle fait tourner la salle du portail. Du coup, moi, et ben techniquement. Oh! Moi, je crois que le chemin il s'est formé là. Le chemin il s'est formé. Voilà, je peux retourner dans l'œuf. Et ben, retourne dans l'œuf. Et dans l'œuf, je peux tourner le portail pour sortir. Et eh ben fais ça, retourne dans l'œuf et fais tourner un coup, parce que moi, ça va me faire tourner aussi, parce que moi je peux pas. Et tu vas tourner dans le sens anti-horaire. Exactement. Voilà, et là moi je peux sortir. Moi aussi. Voilà, j'ai calculé quoi. Oh, merveilleux hein, ouais. Putain le... Oh, les casse-têtes, franchement ils ont dû encore plus réfléchir pour faire la salle que pour l'arrivée. Ouais, je pense aussi. Ouais. Hein, ça doit être très fun à faire un jeu d'énigmes. Ouais. Le
surtout que c'est pas à réaliser, c'est pas ça le plus dur, c'est vraiment penser. Bon bah, on va pouvoir s'asseoir, hein. Je croyais que c'était une cinématique, du coup je bougeais pas. Perché un peu. Non, non, ça va. Hein. Et pas mal son ciseau par contre, on se souvient. Merci d'avoir joué. Ouais. Franchement, j'aurais pu y croire si j'avais pas regardé le temps de jeu. Aussi, t'as plus sur le bras du coup là? Bah non, t'as rien. Bah non, et toi non plus. Tu vois, rien. Ah oui, toi en fait... sur Bordeaux, t'as un truc, ouais. Ah, ouais, d'accord. Donc moi, j'ai appris que toi, t'as rien. Ouais. Ah, d'accord. Ah, c'est... Bon. Ah, j'ai compris, hein, c'est moi qui me dis. C'est un cahier, hein. Une grande tour, dans le loin. Tu comptes te coucher à quelle heure aujourd'hui? Ouais, je vais peut-être pas tarder. Justement, c'est dans le principe d'arrêter à la fin d'un grand chapitre. Ah bah on peut, ouais. Ouais. Comme ça, ça clôt bien la première partie, je pense. Et avant ben, d'aller découvrir la suite. On arrête là, suite du puzzle, prochain live. Hop, enfin prochain live, prochain truc.